Salut tout le monde, c'est Steph59. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour le spécial Fusion Community numéro 5. Et je vais vous présenter les pistes sélectionnées sur le central des pistes cette semaine. Donc c'est la première, alors on va démarrer avec HW3 Crash Country. C'est du type trial, difficulté facile. C'est un bon speedrun, même s'il y a pour moi des petits défauts sur cette piste. Je vais vous présenter le classement. Donc les chronos, ils sont bien descendus. Et suite à la dernière mise à jour, ben, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on voit que le nom des teams auxquels les joueurs sont inscrits. Et ça, c'est plutôt bien. On voit le classement, vous voyez, ça descend bien. Et je vais vous présenter mon replay sur cette piste. On y est. C'est parti! Comme je disais, un bon speedrun, un décor naturel. Même si pour moi, il y a quelques petits défauts sur cette piste qui auraient pu être corrigés avant la sortie. 2, 1, go! Et ça démarre très fort sur cette piste, c'est très rapide. Donc il y a du saut. Donc c'est de la construction, il y a des bâtiments. Alors le problème sur cette piste c'est quoi? Bah, c'est des ralentissements sur certains sauts. Donc ça gêne un petit peu au niveau du jeu. Il y a également des problèmes de collision au niveau des réceptions. Ça accroche. Donc c'est un petit peu dommage pour une Fusion Community. Sinon l'ambiance elle est bien, le petit soleil au loin. Et on accède à la ligne d'arrivée sur cette piste. Et on enchaîne avec la deuxième piste, alors c'est Ruin'n'B Volmon du type trial, difficulté difficile, et là c'est autre chose, franchement là c'est du lourd, ça va envoyer. Donc voilà le classement sur cette piste. Et il y en a, ils tapent bien, hein. Les chronos ils descendent bien 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 quand même. Et là ça va envoyer du pâté. Et je vous présente le replay sur cette piste. Déjà, il y a un bon petit bruit de fond derrière. 3, 2, 1, go! Et c'est parti! Alors, on est sur une ambiance nature, technique. Et j'aime beaucoup ce genre de piste. Et là, faut grimper. Il y a du saut, de l'obstacle. Et là, on grimpe. Et là, il y a de la physique sur cette pilasse. Donc si on arrive trop vite dessus, ben on peut pas sauter. Un gros saut. Et là, on enchaîne sur un gros saut qui va nous mener à l'étage supérieur. Donc il y a des belles constructions de ruines. Franchement, j'aime beaucoup. Et on accède à la ligne d'arrivée sur cette petite scène de fin sympathique. Très belle piste. Et on passe à la troisième piste. Alors c'est 600 feet hard, type trial, difficulté difficile. Là un autre contexte, ça se passe dans l'eau. Je vais vous présenter le classement et mon replay sur cette piste. C'est parti. Sinon j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors il y a un bon petit bruit d'eau. 2, 1, go! Alors il y a une jolie décor sur cette piste, une bonne petite ambiance. La ligne de course est technique. Et là faut grimper. On voit des poissons sur l'arrière-plan. Les couleurs sont bien choisies, ça égaye bien la ligne de course. Et là, faut qu'on commence à grimper. Le petit obstacle en plein milieu là. Et on redescend sur la plateforme du bas pour continuer de grimper. Et moi là, j'ai un petit problème celui-là d'obstacle avec cet écrou là. Il veut pas que je passe d'une traite. Et on continue de grimper. Regardez-moi ces poissons. Des bancs de harengs. On accède à une d'arrivée. Très belle piste.
Et on passe à la quatrième piste. Alors c'est Rigged du type trial, difficulté difficile. Pareil, ça envoie du lourd. C'est de très très bonnes pistes. Donc si vous ne les avez pas testées, je vous les conseille d'aller sur Centrale des Pistes, sur les sélections Uplay. Et vous retrouverez ces pistes afin de pouvoir les essayer. Donc voilà le classement. Et je vais vous présenter mon replay sur cette piste. C'est parti. Donc n'hésitez pas au cours de cette vidéo à laisser des messages en me disant ce que vous pensez des pistes, ce que vous pensez des sélections Uplay Fusion Community. 2, 1, go. Et cette piste, j'aime beaucoup parce qu'elle est technique. Il y a un bon décor. Bon travail de construction sur le décor derrière. Et celle-ci, elle envoie. Parce que si on perd un peu de vitesse ou quoi, ben on passe pas sur les obstacles d'après. Et c'est chaud patate. Donc là, petit saut. Regardez-moi ce décor. Là, faut grimper sur ce tronc pour accéder au-dessus. Et on arrive à la scène de fin avec ces petits troncs qui tombent dessus. Là. Dommage pour lui. Très très belle piste. Et on passe à la prochaine piste. Alors c'est Bunside, type trial, difficulté difficile. Pareil, j'ai beaucoup aimé cette piste. Donc voilà le classement de cette piste difficile. Qui est vraiment difficile hein, parce qu'il y a, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Il y en a, ils arrivent à passer au-dessus des deux tuyaux. Moi, il n'y a pas moyen, ça passe pas. Et je vais vous présenter le replay de cette piste. C'est parti. Burnside. J'aime beaucoup le bruit de la petite moto avant le lancer de la course. 2, 1, go. Et c'est parti. Et là, c'est technique. Alors moi, là, j'arrive pas à passer, mais il y en a, ils arrivent à passer au-dessus des deux tuyaux d'entrée de jeu. On redescend, faut accéder sur ces rampes d'une traite. Faut pas baisser la cadence sur cette piste. Là on remonte d'un étage et à partir de là c'est taqué taqué. Faut attaquer. Un gros saut qui nous mène à la rampe inférieure pour pouvoir accéder à l'étage supérieur. Et attention sur cette piste, il y a de la dynamite. Et là on continue de grimper, dernier petit saut, et c'est la ligne d'arrivée sur cette petite fin sympathique. Très belle piste. Et spécialement aujourd'hui, une spéciale bonus, et oui. Donc aujourd'hui, spécial bonus, je vous présente la piste clandestine du type trial, difficulté extrême. Et bien sûr, ce ne sera pas mon replay que je vais vous présenter vu le nombre de fautes. Mais à sa demande, je vais vous présenter le replay de AZ Toshiro qui a tout arraché sur cette piste. Donc voilà son classement et son replay. Il s'est juste baladé. Pour lui, c'est une formalité, c'est une balade de santé. Clandestine qui est une très très belle piste extrême. 2, 1, go. Et c'est parti. Et avec quelle aisance Toshiro passe ses obstacles, franchement. Il est chaud patate. Oh là là, donc il y a de l'obstacle, il y a de l'animation sur la ligne de course. Les couleurs sont géniales. Et là, faut grimper, accéder aux plateformes. Et moi j'ai beaucoup de mal sur ce genre d'obstacle. Regardez-moi ça. Tranquillou, tranquillou, et il part élevé sur cette petite sympathique. Le pilote se noie dans l'eau. Donc voilà, bah c'était les 6 pistes que je tenais à vous présenter cette semaine sur le Spécial Fusion Community numéro 5. N'hésitez pas à les retrouver, ces pistes sur le central des pistes. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos opinions sur les pistes sélectionnées, sur les sélections Uplay. Mis à part ça, en nouveauté, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je suis en train de préparer une piste volcanique sur mon compte personnel
qui devrait plus trop tarder à sortir sur le central, logiquement. Donc si vous voulez voir ce qu'il y en est, n'hésitez pas à aller sur le site trial.fr. Sur le forum Vopiste, il y a un topic que j'ai ouvert où je présente quelques images. Donc n'hésitez pas à me donner vos opinions et vos avis sur ça. Sinon, ben gros bravo à tous les créateurs de ces pistes, à Toshiro pour son run exceptionnel sur Clandestine. Il y a tout arraché. Mis à part ça, je vous donne rendez-vous sur trial.fr, le site francophone de la communauté Trial. Vous pouvez retrouver toutes les news et infos concernant Trial, Fusion, Evolution. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis, sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Allez, bye bye!